What's up tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière. Je suis accompagné de... C'est moi. Salut, c'est Akiox. Bilal du 6-9, un autre lyonnais qui est aussi youtubeur. Peut-être que vous connaissez ou peut-être pas. Peut-être pas. Hein, oui. Ça fait 2 mois que t'as pas fait de vidéo depuis, donc alors explique-nous un peu pourquoi. Eh ben, et comment tu t'es retrouvé ici, in my house? In my bedroom. Non, not in your bed. Not in my bed. Pas non, encore. Il est ça, pas ça, dans mon lit. Ça sera après. Ça sera ce soir. Non, bah écoutez, bah après je me suis. Bah parce que j'ai arrêté les vidéos. Parce que tout simplement j'avais des soucis de vie personnelle. Qui ont fait que bah forcément le moral ne suivait pas. Et voilà. Et on s'est rendu compte, les gens. On s'est rendu compte qu'on avait eu les mêmes problèmes. Ouais. On voilà. a eu les mêmes problèmes, on s'est fait virer tous les deux de chez nous. Voilà. Alors, alors moi j'avais pas envie d'un. Alors les gens là ils vont me prendre pour un cassos. Ouais. Et pour un cassos aussi. C'est pas grave. Bon, il y a deux cassos au bout de l'écran, au bout de votre écran que vous voyez, bah il y a deux cassos. On s'est fait gerter, voilà, pour des raisons un peu similaires. Oui. Ça m'a fait rire parce qu'en fait je t'ai contacté tout à l'heure sur Facebook, je me suis dit ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Et bon voilà, je lui ai dit bah si tu veux tu peux venir et tout, il m'a dit ouais et tout. Et puis après il m'a dit comme quoi il habitait, enfin t'habites assez loin et enfin bref voilà, c'était une galère pour que tu viennes, enfin t'es venu en voiture. Ouais, c'est la nouveauté. Et bah Akiox commence bien la saison. Moi avec mon scooter, moi c'est ridicule. Et bon bah voilà, on va commencer avec le thème qu'on doit aborder. Oui. Alors what is the theme? The theme is le premier amour. Tom and Jerry. Hein? Non, j'ai dit n'importe non, quoi. Non, faut. Tu peux sortir, s'il te plaît. Bon, la porte elle est pas loin, j'ai une autre porte ici. Ah, c'est un balcon là, je peux sortir. Non, le thème c'est est-ce que le premier amour est-elle une bonne ou une mauvaise expérience? Ah, il y a des abonnés qui vont me dire mais Christo, tu reparles de ton premier amour. C'est lui! C'est lui qui voulait reparler. Non, c'est, en fait, c'est lui qui voulait parler de non, ça. Moi, j'ai rien fait. Il faut dire les choses aux abonnés. En fait, on était chez lui, on cherchait un thème et on se faisait chier. On n'arrivait pas à trouver le thème. Donc, du coup, j'ai fait. Ben, le premier amour, est-ce que. Je sais pas. Alors que moi j'ai rien fait, hein, parce que moi j'en ai déjà parlé sur YouTube. Il y a des abonnés qui me disent ouais, tu me casses la tête avec ton premier amour. Moi je suis là, je fais ouais, mais moi je souffre. C'est tout comme ça. Et toi t'es là comme ça. Enfin bref, et donc il veut reparler de ça. Donc repose la question, comme ça on va. Bah on va la reposer. Bah, ouais, on va la reposer. Est-ce que le premier amour est-il une bonne ou une mauvaise expérience? Tout simplement. Voilà, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, les gens. C'est que moi à l'époque je l'ai connu et puis bon on s'est vu plusieurs fois et tout. Mais à partir d'un certain moment, t'as eu ton premier amour, t'étais en galère. J'ai eu mon premier amour et j'étais en galère. On avait les mêmes galères en fait. Et bah si tu veux tu peux raconter, enfin ouais donne ton avis de... Bah moi personnellement je suis pas, en fait je trouve que le premier amour c'est... En fait c'est à double tranchant je dirais. Ouais, il y a un arc, mais c'est pas grave, c'est pas grave, vas-y continue. En fait je trouve que c'est un peu à double tranchant parce que soit au contraire on peut trouver the perle rare où on va faire sa vie avec et tout, enfin, moi dans ma logique ça ne rentre pas, et ou soit au pire on va au contraire en trouver une bonne expérience, ça va nous aider pour nos prochaines relations, pour ça va nous forger au niveau de notre caractère, et puis voilà. Ouais ouais. Et toi, mon cher Christo? Ah là là. Ouh là là. Il m'a vu galérer. Hein. Moi, je vous dis des choses personnelles parce que moi, ça me dérange pas. Il m'a vu vraiment galérer pour mon premier amour. Alors, on va pas citer de nom. Hein, on n'est pas là pour ça. Même avec. Alors moi, j'ai tout subi avec elle. C'est le magnifique amour. T'es super heureux. La première vraie copine. Tu fais plein de choses avec elle et tout. Pour la première fois, t'es super content. Et puis tout d'un coup. Ça tourne à la catastrophe, ça tourne au massacre, ça tourne à... Donc comme tu dis en fait, c'est bien, et puis soit ça continue à être bien, soit ça dérive sur le côté, bah tout l'inverse. C'est ça. C'est... Par contre c'est vrai que moi mon premier amour, cœur brisé, ouais. C'est bien, non, franchement c'est bien parce que ça forge. C'est ça qui est ouais, cool. Ouais, on apprend beaucoup et puis de toute façon je pense que... Enfin, le premier amour, est-ce que ça sera vraiment la personne avec qui tu vivras toujours? C'est chaud. Bah, il y en a qui arrivent. Justement, moi, j'ai des amis, justement, qui ont connu une femme très très tôt. Genre, ils avaient 15 ou 14 ans, 15, 16 ans. Et ils ont trouvé une meuf. Et dis-toi, à l'heure actuelle, ça fait 3 ans qu'ils sont avec elle et ils sont encore avec elle. Ouais, ils sont toujours ensemble. Comme je te dis, c'est à double tranchant. Enfin, c'est pour ça, c'est... Ouais, ouais, c'est vrai. Bah, par exemple, moi, j'ai fait mon... pas très loin de chez moi en électronique, et donc j'avais parlé donc avec le vendeur et il m'avait dit comme quoi bah lui il est toujours avec son premier amour. Ouais, ouais. En fait ce qui s'est passé c'est ils sont connus à l'âge de 16 ans, un ouais. truc moi je me rappelle toujours, ça m'a choqué.
Ils sont connus à l'âge de 16 ans. À 17 ans, ils ont fait un an de séparation. Après, je sais pas s'ils ont fait des trucs à côté, ils ont dû essayer de commencer d'autres relations d'amour. Un an après, ils se sont retrouvés. Et maintenant, il a quoi? Il a une trentaine d'années. Et il est toujours avec son premier amour. C'est beau. Bah, c'est mignon, hein. Mais il y en a beaucoup des histoires comme ça, mais. Malheureusement, il y en a beaucoup aussi où ça dérive sur un côté obscur et tout. Et voilà, donc. Bon, heureusement, je ne suis pas père. Ouais, donc c'est... bon, ouais, je sors. Okay. Salut. Tu peux partir si tu veux, tu as le droit. Il y a le balcon. Ah ouais, mais ça fait mal. Tu peux descendre 6 étages. D'un coup, comme tu veux. Ça fait mal. Ouais, est-ce qu'il y a un autre truc là que tu veux aborder dans. Enfin, dans. Bah écoutez, depuis mon premier amour, j'ai ma bite qui a gonflé. C'est le mec. Non, écoutez, bah moi ça me fait rire parce que genre on dirait un rebeu fragile qui parle. J'ai l'impression qu'il y a deux cassos au bout de l'écran, ils sont fait virer. Non, mais il faut le dire. Ils ont raté leur premier amour et tout, ils sont. À la recherche d'un emploi. Mais bon, t'as une copine maintenant, t'as appris beaucoup de choses, t'es plus mature. Oui, bien sûr. Mais maintenant, tu gères mieux ta nouvelle copine. Bien sûr. Comme moi de mon côté, on apprend des choses, hein, c'est la vie, c'est comme ça. C'est pas tout rose. En fait, j'ai l'impression qu'on fait un paragraphe argumenté, tu sais. Quand je passe ton bac. Tu dois dire question. Je suis pour, je suis contre, conclusion. Voilà, je conclue que. En fait, il n'y a aucune réponse. Ouais, en fait, comme s'ils font les hommes politiques. En fait, il n'y a aucune réponse à notre question. Je fais la politique, je parle comme ça. Toi, tu fais. La France a mal. Comme ça, là, tu tiens la main. Hein, c'est ça, là. Il faut que tu fasses des trucs avec tes mains et tout, et genre, tu te mets dans. Ouais. Ouais, au passage, les gens, si vous appréciez ce genre de vidéo, comme ça, un peu. Parce que moi, j'aime bien être accompagné de personnes, et puis surtout Bilal. Tu vois, parce qu'il y a du caractère à côté, donc toi t'es... Non, il y a de la forme, il y a de la pêche dans ces vidéos-là, j'aime beaucoup, moi. Et si vous avez peut-être des sujets à aborder, pour peut-être une prochaine fois, occasionnellement, je sais pas si ça vous plaît et tout. Peut-être que je passerai chez voir ton Christo, tu vois. Voilà, il viendra avec sa voiture et tout, il passera à la cinquième. Et puis, ouais, j'ai passé tout à l'heure, mais il pleuvait, donc c'était bon, j'ai rétrogradé. Ouais. Moi, je suis une tapette, tu vois. Et ouais, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Oula, moi par contre j'ai toujours du mal à parler. C'est vrai que ça fait très longtemps que je me fais de vidéo. Ouais, ça fait plusieurs mois, donc vous pouvez aller looker sa chaîne et tout. C'est, il fait des, tu peux expliquer, enfin, tu fais des vidéos, comment dire. C'est particulier, très c'est pas vraiment du gameplay. C'est des fois il va faire des trucs, des défis, des trucs comme ça, vachement sympathiques. Alors à savoir que moi sur ma chaîne, je pars du principe que c'est ma chaîne. Donc je fais exactement ce que je veux. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, je peux vous proposer, je sais pas, genre une vidéo où je ferais, je sais pas, un gameplay sur Titanfall, ou genre je me fais chier chez moi et je me dis, allez, on fait une vidéo comme ça, et ou au contraire, je vais péter un câble, je vais faire, allez les gars, on bouge à Balcourt et je vais faire un défi. On va en centre-ville et on va faire n'importe quoi. Voilà, ouais, pourquoi pas aussi faire des trucs comme ça ensemble, hein. En plus t'as du matériel, je sais pas si tu l'as toujours maintenant, ou c'est parti. Non, il est parti avec le matériel. Sur le matos quand même, c'est mon gagne-pain. Ah bah moi aussi, là il y a l'antenne, super antenne, il y a le super ordinateur, la super souris. Et c'est tout. Mais ça suffit amplement pour faire des back-end news. Et un miroir derrière que j'ai emporté. Non, je rigole, ça aurait été cool. Bon, bah merci encore pour tout, les gens. Je sais pas si t'as remarqué, mais c'est vrai que moi je suis assez content. Ma communauté elle revient, et puis les gens, tu sais, ils sont plus. Comment on dit en français? Aimables. Ouais. Reconnaissants? Ils sont plus reconnaissants, ils sont plus gentils. Ou non, ils sont. Voilà, ils sont un peu plus présents et tout. In my heart. Mais je sais plus comment dire. Avec en fait, tous les soucis que j'ai eu et tout, j'avais pas de motivation. Ils sont fidèles. Ouais. Au passage, bah, un peu comme toi, enfin, tu sais, ces coups de cœur et tout, tu sais, ça donne pas envie de faire des vidéos, enfin, dans le sens bien sûr. Moi, j'avais vraiment pas envie d'en, j'en ai fait très peu en fait. Bah après, c'est ça. Moi, les abonnés, enfin, je veux dire, vous êtes des gens comme nous, vous êtes que, enfin, vous êtes pas comme nous parce que nous, on est trop du cul, mais. J'espère pas que vous êtes comme nous. Ouais. Non, mais je veux dire, par là, vous êtes des gens comme tout le monde. Après, enfin, vous êtes des gens comme les autres, pas comme nous. Et je veux dire, vous pouvez comprendre que, voilà, quand on a tous nos petits coups de blues, on a tous nos petits soucis de la vie, et c'est vrai que si des fois, on n'est pas forcément. Moi, personnellement, mes abonnés l'ont compris parce que je sors une vidéo par mois pour vous dire à quel point. Mais voilà, les gens peuvent comprendre. Si vous pouvez pas comprendre, bah, débarrez-vous. Voilà, mais si, en temps normal, vous pouvez comprendre qu'on a des choses à faire. Ouais, et des fois, bah, pas forcément. Pas ça forcément. Demande, ouais, ça demande la motivation, du temps, et puis il faut être bien dans sa peau. La vie, ça prend le dessus, quoi, tout simplement. Ouais. Je veux dire, moi, quand je serai papa, bah ouais, je pourrais plus faire de vidéo. Mais bon, c'est pas encore pour l'instant, on va se calmer, je suis pas encore père, parce qu'on parle de sujets sensibles, hein. On va pas parler de baise encore, mais bon, bref.
Voilà, bah la vidéo est terminée les gens. L'autre il est mort de rire. Moi je me sens mal parce qu'à la fois je me sens comme un cassos derrière les les gens qui vont regarder, ils vont me prendre pour un cassos. C'est pas grave, voilà. C'est bon. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo comme vous voulez. J'essaierai d'être le plus actif dans la barre des commentaires. Je sais pas si vous avez remarqué dans ma précédente vidéo, j'essaie de répondre à tout le monde. Ça me fait plaisir aussi de répondre à tout le monde en fait, dans le sens où bah voilà, il n'y en a pas beaucoup qui font ça hein, maintenant. Des youtubeurs qui essaient de répondre au plus de monde possible. Et puis voilà, t'as un petit truc à dire pour terminer la vidéo ou... Peace. Et moi je dis peace out. La petite phrase. Yeah. Je me tape des barres pour rien, ça me fait peur cette histoire.